Il pensait bien faire les hommes de Fraser, en peuplant de saumon le lac et ses rivières. Ces cons de poissons ont pensé pour de bon partir de chez eux en nageant vers la mer. Quelques mois plus tard, poussés par le printemps, revoilà leurs nageoires remonter le courant. Mais les chutes d'eau sont trop hautes pour eux. Voilà pourquoi le lac, ça n'était pas chez eux. Ces cons de poissons, sans tête pour de bon, et le lit de la rivière se transforme en cimetière. Revenir en arrière, c'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Revenir en arrière en remontant les rivières. Revenir en arrière, c'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Revenir en arrière en remontant les rivières. De l'homme ou du poisson, lequel est le plus con? Lequel crache le plus haut de son évolution? Laquelle des deux espèces partira la première? Celle qui suit son instinct ou celle qui fuit l'enfer? C'est rare qu'on y pense à notre dépendance. On a besoin de tout, mais qui a besoin de nous? Le poisson sans l'humain se démerderait très bien, mais que feraient les Japonais s'ils disparaissaient? Comme tout un chacun qui n'a plus que ses mains, ils prieraient comme des cons devant le dieu saumon. Revenir en arrière, c'est tout ce qu'on cherchera à faire. Revenir en arrière en récitant des prières. Revenir en arrière, c'est tout ce qu'on cherchera à faire. Revenir en arrière en récitant des prières. En mon petit parisien, j'avoue que je me sens pas bien. Parler d'écologie au milieu de mon gâchis. En mon petit banlieusard, j'avoue que je me fous de savoir si tous les Japonais boufferont ou pas ce soir. Et je ne prie pas car je ne crois pas qu'il est ailleurs notre responsable que nous. Je m'incline doucement devant les éléments. La Méditerranée a déjà disparu souvent. Et que l'on soit des poissons ou de l'espèce humaine, la terre aura notre peau avant qu'on ait la sienne. Thank you.